Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale les gars, parce que le jour où est postée cette vidéo, nous sommes le 8 mai 2022. Et cette chaîne YouTube là que vous êtes en train de regarder, je l'ai créée le 8 mai 2015. Donc aujourd'hui, ça fait tout pile 7 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. Perfect. Est-ce que ça valide ou pas? Bon, j'essaie de faire un petit effort en vrai. Bon, j'ai juste mis une chemise quoi, mais ça passe. Je me suis dit, il faut que je sois présentable, car dans cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Il y aura une première partie où je vais un petit peu vous expliquer tous mes débuts, etc. Et oui, ça fait vraiment véritablement 7 ans que je suis sur YouTube, ce qui est énorme, ce qui est bah en fait ça fait pratiquement la moitié de ma vie que je poste une vidéo par semaine sur YouTube. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer mes toutes premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Il y a 6 mois, un truc comme ça, j'ai fait une vidéo dans laquelle je réagissais à mes anciennes vidéos, mais c'était des vidéos que j'avais trouvées sur un ancien disque dur qui n'avait jamais été publié nulle part. Aujourd'hui, je vais réagir à des vidéos qui ont été publiées sur YouTube, mais que j'ai mis en privé depuis. Donc comme je vous ai dit, c'était le 8 mai 2015 que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et en gros, pour ceux qui savent pas, là, à l'heure d'aujourd'hui, je m'appelle Arthur IGB. Mais mon pseudo sur YouTube à l'époque, c'était Arthur Magique. Parce qu'à l'époque, les gars, je faisais de la magie sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'avais 8 ans en 2015. En gros, je faisais plein de tours de magie et j'en faisais à ma famille, etc. Mais au bout d'un moment, ils en avaient marre, je pouvais pas leur en faire tout le temps. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une chaîne YouTube dans laquelle je vais mettre des vidéos, tu vois. Genre là, je ferais de la magie en vidéo. Parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup de YouTube. Bon, j'avais 8 ans, mais j'avais une petite tablette et je regardais plein de YouTubeurs. Je regardais Squeezie. Bah, en vrai, plein. Non, je regardais les plus connus à l'époque. En vrai, Squeezie, Cyprien, Norman. Ouais, je suis un ancien, je suis un ancien. Bref, du coup, je fais 1, 2, 3 vidéos de magie, je continue, en vrai j'adore, je commence à avoir 15 abonnés, je suis trop content, je me rappelle que j'avais fait une vidéo pour remercier mes 15 abonnés, etc. Là tout ce que je dis, on va le voir après, hein. Vous inquiétez pas, ça va être très gênant pour moi. Et ensuite à partir de 2018, j'avais à peu près 300 abonnés, donc en 3 ans YouTube, j'avais 300 abonnés. Et dites-vous que je faisais à peu près une vidéo par semaine. Je me dis vas-y j'arrête la magie, parce qu'en vrai je commençais à en avoir un petit peu marre, etc. Du coup je commence à faire du divertissement. Divertissement, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. C'est des vidéos un peu de tout, tu vois, tu peux faire une vidéo sur Fortnite comme j'ai fait la semaine dernière, ou là une vidéo où je parle, ou une vidéo anecdote. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est du divertissement. Donc ensuite on arrive en 2019, ça faisait 4 ans que j'étais sur YouTube et j'avais 700 abonnés. Donc là vraiment je lâchais rien, tu vois. 4 ans à faire une vidéo par semaine, 700 abonnés c'est très peu, tu vois. Bon ensuite à partir de 2019, il y a eu tout le truc monteur vidéo, etc. que j'explique dans cette vidéo. Tout ça je l'ai déjà expliqué, deviens monteur vidéo, etc. J'arrive à percer un petit peu entre guillemets. Et on arrive à aujourd'hui, je suis actuellement 24 497 abonnés. Voilà, les gars, je vous mens pas, c'est écrit juste là. Bref, voilà, ça c'est les bases pour savoir à peu près ma chaîne, etc. Et maintenant, on va regarder toutes ces vidéos. On va même regarder la toute première vidéo de ma chaîne, même la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube en général. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais eu plusieurs chaînes. J'ai eu qu'une seule chaîne, c'est celle-là que vous êtes en train de regarder. Voilà, si vous allez sur ma chaîne, active depuis le 8 mai 2015, mec, c'est aberrant, gros. Donc là, c'est toutes mes vidéos. Il y a 50 vidéos par page. Donc là, une deuxième page, troisième page, quatrième page, on arrive à toutes les vidéos que j'ai mis en privé, là. Cinquième page. Ok, il y a 5 pages. 5 x 5, 25, ça fait 250 vidéos. Donc les gars, la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'est celle-là. Alors la miniature, c'est pas moi qui l'a faite, hein. Je me rappelle, j'avais tapé sur Google, miniature présentation de chaîne et tout, j'avais remis comme ça. Et en plus, je l'ai remis genre peut-être 2-3 ans après. À la base, la miniature, c'était ça. Voilà. Déjà ça les gars c'est ma tête. La vidéo dure 34 secondes et déjà c'est un format carré. Rien ne va. Ok c'est parti. Ah elle a été postée le 13 mai 2015. Bonjour et bienvenue pour la présentation de ma chaîne. J'ai honte les gars de vous montrer ça. Déjà ma voix, normal j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, ok. Ma tête, on me voit pas, on me voit presque pas en fait. Je suis tout blanc et j'ai des énormes yeux. Ma chaîne sera basée sur la magie en fait. Plus maintenant. Si vous voulez des tours fun toute la journée, alors Arthur est fait pour vous. Je me rappelle quand j'ai tourné cette vidéo, j'avais dit Arthur est fait pour vous. Parce qu'en fait, je savais pas encore c'était quoi le nom de ma chaîne, mais je savais que j'allais mettre Arthur dedans. Du coup, normalement, j'aurais dû dire Arthur Magique est fait pour vous. En mode ma chaîne Arthur Magique est faite pour vous, tu vois. Moi, je ferai plein de tours de magie, donc j'espère que vous allez apprécier des mélanges et tout. Donc, ma chaîne est faite pour vous. Je veux vraiment convaincre, on dirait que je suis un acheteur. Ma chaîne est faite pour vous. Regardez toutes mes vidéos. Ça c'était un ordre. Attends mais pourquoi je dis ça? Vous devez regarder toutes mes vidéos. Mais qui dit ça? Vous devez regarder toutes mes vidéos. Genre vraiment c'est un ordre, je sais pas pourquoi je dis ça. Et donc j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve pour votre tout premier tour de magie.
Au revoir. Le petit bégaiement de fin. On te pardonne. Je l'ai tourné avec ma tablette, les gars. Bah, avec la tablette que je vous ai dit que je regardais tous les youtubeurs. Bah, c'est avec ça que je me filmais et que je postais sur YouTube. Elle a quand même fait 218 vues, hein, les gars. Hein. Parce qu'en fait, je l'avais laissé en public pendant longtemps. Là, ça fait 2 ans que j'ai mis toutes mes vidéos magie privées. Là, si vous allez sur ma chaîne YouTube, voilà, ça s'arrête ici, il y a 3 ans. Mais avant, j'avais encore plein d'autres vidéos. Là, j'ai encore 4 ans de vidéos. Donc, il n'y avait aucun montage, bien évidemment. Je filmais et je postais directement. Perfect. Ensuite, on va regarder la deuxième vidéo que j'ai postée juste après celle-là. La vidéo dure 9 minutes 20 et 2 likes, dont un c'est moi. Et le deuxième, je pense que ça devait être un pote à moi. Bonjour et bienvenue. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous faire 2 mélanges. Je suis vraiment pas à l'aise. En vrai, c'est normal. Les gars, c'est ma 2e vidéo que j'ai postée sur YouTube. Et à chaque fois, je faisais bonjour et bienvenue pour un tout nouveau tour de magie. C'était mon intro, en fait. Ça s'appelle le mélange à la française. Ça veut dire que vous prenez des cartes. Pour ceux qui n'arrivent pas, pour que vous apprenez à le faire. Je suis un prof, là. Vous mettez le pouce sur une tranche. Ah oui, je montre vraiment exactement comment positionner les doigts et tout. Les gars, c'est très long, je vais pas tout regarder. C'est très très long et pendant 9 minutes je fais ça. Oh, à la fin, on voit ma tête. J'avais oublié ça. Et voilà. Les gars, j'ai changé, on est d'accord, c'est incroyable. J'espère que vous avez apprécié ces 2 démonstrations avec le... Enfin, avec... D'accord. Si vous avez apprécié, bah, tant mieux. Voilà, je ferai plein d'autres vidéos sur les mélanges. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde. Incroyable. Perfect. En fait, ces vidéos-là, je les tournais dans mon canapé. Dans la vidéo, ça s'appelle le détecteur de mensonges. Attends, ça m'intrigue. Bonjour et bienvenue. Oh là là, cette tête. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de magie. Très sympathique et très facile à réaliser. C'est trop drôle comment je m'introduis. Un tour de magie très sympathique. Faut le souligner, ça, quand même. On passe sans plus attendre à la démonstration. Et oui, il n'y avait pas de montage. Pour la démonstration, j'ai besoin... Oh, la caméra va tomber. Plus t'avances, au plus la caméra, elle tombe comme ça. Ah, je suis un vrai cadreur, j'avais remarqué quand même. Perfect. Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau tour de magie. Oh, les gars, cette tête. Donc c'est parti pour la démonstration du tour. Ouais, cette vidéo l'avait percée. Elle a fait 1137 vues. Non, mais elle a pas percé quand je l'ai postée. Je pense qu'elle a percé après, hein, parce qu'elle a 15 likes. Putain, mais c'est incroyable. Dis-moi comment j'écrivais abonne-toi. J'ai mis un espace. Et juste après tout ça, j'ai posté une info. Info 1, ok. Ça dure 52 secondes, on va écouter qu'est-ce que j'ai à dire. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire un tour de magie, mais aujourd'hui, je vais vous faire une info. Je sais pas si vous savez, mais je viens d'effacer une vidéo. C'est la pièce à travers le verre. J'ai vu qu'il y en avait 5 qui l'ont vu. Waouh. Dans pas longtemps, je vais la refaire. Voilà, donc c'était une info pour dire que je l'avais effacée, mais je vais la refaire dans pas longtemps. Aussi, ça me fait super plaisir parce que déjà le plus, c'est 16 vues. C'est énorme pour moi, je sais pas... Si c'est énorme pour vous, mais pour moi c'est énorme. Oh les gars, ça en vrai, d'avoir ce discours là, les gars, dites-vous, j'avais 8 ans quoi. Genre vraiment, moi j'ai grandi avec YouTube. Alors je vous remercie du fond du cœur. Allez, au revoir tout le monde. Oh là là, incroyable. Et je me rappelle que de temps en temps comme ça, je faisais des petites infos. Perfect. Tour de magie expliqué plus surprise. Ça m'intrigue ça. Salut, c'est tout, certes, sur Magique. Waouh, je filmais avec une caméra. Là, ça y est, la tablette, c'est fini. Je me rappelle que, tu sais, j'ai volé la caméra de mes darons. Tu sais, genre, ils avaient une petite caméra de vacances, quoi, que tu prenais des photos de temps en temps et tout. Je l'avais volée pour faire ma vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé de caméra, donc voilà. Oui, je l'ai remarqué. Voilà, ça me fait vraiment... Putain, mais j'avais mis une musique, en vrai, là, attends. Je faisais du montage ou quoi? Non, ça, je me rappelle. C'était sur YouTube. En gros, il y avait un truc de montage sur YouTube et on pouvait mettre juste des musiques. Désolé si j'arrive pas trop à faire avec la caméra, car ça fait la première fois que je filme avec ça sur ma chaîne YouTube. Désolé si je fais un peu quelques conneries. Pas mal, ça. Pour le tour de magie, donc un tour de magie avec un paquet de cartes, il est vraiment... Attendez, mais ça me choque par contre, je viens de penser à un truc. Les gars, dites-vous, là, ce qu'on voit là, c'est exactement pareil, mais en 2022. Là, il y a ma porte, ici, là. Et là, il y a le rideau de ma fenêtre, bon, vous voyez pas. C'est pareil. Bon, les gars, je suis désolé, je vais pas vous montrer tous les tours de magie, c'est très long. Surtout qu'il y en a énormément. Perfect. Info 2, ok, ça m'intéresse énormément. Salut, c'est tout, certes, sur Magique. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie. Enfin, c'est pas un tour de magie, c'est l'info numéro 2, désolé. Il y a énormément de choses à dire. Déjà, j'avais des enceintes, je mettais des musiques hyper fortes et je parlais en même temps. Et je dis, pour un tour de magie
Ah non, je me suis trompé. En fait, c'est une info. Bah, recommence, genre... Désolé pour ceux qui voulaient un tour de magie. Mais personne voulait, je faisais 10 vues. C'était il y a 3 mois, je crois, non? Eh, mais en vrai, j'étais grave à l'aise. Attends, en 3 mois, vous vous rendez compte que... Regardez. En 3 mois, je suis passé de ça... Bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous faire un tour de magie. En 3 mois, je suis passé à ça. 3, donc c'est un peu longtemps. Et donc, du coup, je viens sur vous pour l'info numéro 2. En vrai, je me suis grave amélioré en 3 mois. Perfect. Ah oui, entre-temps, les gars, je vous ai pas dit, mais il y a une vidéo qui a percé de ouf. Regardez, là, je faisais genre 44 vues, 66 vues, et là, d'un coup, 15 000 vues. La vidéo s'appelait 2 tours de magie à faire à l'école. Salut, c'est tout tiers magique. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deux tours de magie pour cette semaine. Donc voilà, c'est 2 tours de magie à faire à l'école. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Les gars, je me rappelle, j'ai pas regardé avant. Perfect. Ensuite, les gars, là, j'avais grandi. On est en 2017, ça faisait déjà 2 ans. Ah oui, là, j'avais vraiment grandi. Là, je faisais du montage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez lâcher un gros like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Regardez la précédente vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Bon, c'était en 2017 quand même. Donc au bout de 2 ans YouTube là, mec, je m'étais grave amélioré, hein. Ensuite, en 2018, donc j'arrête la magie. Et après, bah, c'est toutes les vidéos que vous avez vues, hein, depuis 2018. Elles sont encore disponibles là sur ma chaîne. En vrai, c'est incroyable, les gars, de revoir ça. Il y a énormément de vidéos, mais j'ai pas pu réagir à tout. Vraiment, il y en a beaucoup trop. Mais attendez, c'est pas fini, les gars. J'ai encore des trucs à vous dire. Donc déjà, vous pouvez voir que ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Donc ça fait 7 ans aujourd'hui. Et que chaque semaine, je poste à chaque fois une nouvelle vidéo. Dites-vous que ça fait 7 ans que je poste presque une vidéo toutes les semaines. C'est colossal, c'est incroyable. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui font du YouTube, etc., c'est de vraiment jamais lâcher. J'espère qu'un jour ma chaîne YouTube ça marchera. Vraiment, je donne tout, les gars. J'ai jamais de baisse de motivation, je suis toujours à fond dedans. Donc à tous ceux qui font genre 2 mois de YouTube et au bout de 2 mois ils voient que ça marche pas, ils sont là en mode vas-y c'est bon j'arrête, c'est qu'ils étaient pas destinés à être youtubeurs, tu vois. Ils ont pas de motivation, ils ont pas de détermination et tout. Et donc merci à tous ceux qui me suivent maintenant. Vous êtes vraiment des cracks, les gars. C'est incroyable, merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, tous ceux qui sont sur mes lives, etc. Vraiment, je vous kiffe, merci beaucoup à tous. J'espère que vous continuerez à me suivre pendant encore longtemps, parce que je suis pas prêt d'arrêter, les gars. Cet été normalement il y a des grosses dingueries qui sortent sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez là. Bref, si vous voulez continuer à suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification. Tous mes réseaux sociaux seront en description, mon serveur Discord, mon Instagram. Si vous voulez me parler par message ou quoi, n'hésitez pas, Instagram c'est le meilleur réseau pour parler avec vous. Mais en vrai, ça me fait très plaisir, merci à tous de me suivre. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Bisous tout le monde et ciao.